Bonjour chers amis internautes. Aujourd'hui je vais vous montrer brièvement comment j'ai pu fabriquer un avion de 6,40 m. Ce n'est pas une histoire facile, surtout quand vous vivez en Afrique et dans un pays le plus pauvre de la planète. Chez nous au Niger, une parcelle coûte en moyenne 300 000 francs, et mon avion a coûté environ 350 000 francs, mais chose étonnante. Moi, l'auteur de la construction, je ne dispose pas de ma propre parcelle, parce que tout simplement j'ai mis la priorité sur la recherche technologique. Chers amis, c'est un peu triste, mais c'est la réalité pour se lancer dans de telles aventures quand on vit en Afrique et particulièrement au Niger. Mais l'heure n'est pas au découragement, il faut garder l'espoir et continuer à bosser et penser à un lendemain meilleur. À cœur vaillant, rien d'impossible. Voilà en résumé tous les éléments que je me suis acheté sur internet pour fabriquer un avion lourd atteignant environ 6 kg. Un brushless moteur max GT4030 pouvant supporter jusqu'à 6 kg. 4 servos moteurs la commandant les ailerons, l'élévateur et radar. Un ESC 60 A, électronique speed control pour la commande du moteur E maximum. Des guignols pour la rotation des ailerons et du radar. Une hélice 18×10, CCW qui attire l'avion vers l'avant, car la CW le pousse vers l'avant également, mais contrairement au CCW, elle doit-elle être fixée vers l'arrière. Faites attention donc quand vous commandez une hélice d'avion. Des pneus pour l'avion. Des planches balsa pour ceux qui ont le moyen, car le mien est entièrement fait en carton et bois. Un émetteur fleece qui est fait T6. Un récepteur R6D6 canaux. Une batterie LiPo 6S. Un chargeur des batteries LiPo. Le plan de l'avion et la liste des composants se trouvent en partie description de la vidéo. Voilà quelques étapes de la construction. Test du moteur ESC et télécommande. Test des servos moteurs. Recherche de l'équilibre de l'avion. Assemblage de l'avion et finition. Test de l'avion. Premier décollage. Merci chers amis de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager au maximum. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.